Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Book Passion. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, il va s'agir d'un dossier sur un personnage que j'adore particulièrement, il s'agit d'Albator. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un dossier sur Albator? Tout simplement parce que cette année on va fêter les 35 ans d'existence d'Albator. Et aussi Albator c'est un personnage que j'adore depuis que je suis tout gamin. J'ai découvert à la télé quand j'étais quand j'avais quoi 4-5 ans avec Goldorak sur Recrea 2. Donc pour moi c'est quand même pas mal de souvenirs. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il existe pas mal d'artbooks justement sur l'univers d'Albator, mais ils sont tous en japonais. A ma connaissance, il n'y a aucun artbook en français ou en anglais, donc il est vraiment très très dur de trouver des informations, aussi parce que ces artbooks sont vraiment très très vieux. Donc ce petit dossier, cette petite sélection, va permettre aux personnes qui, comme moi, adorent Albator, de se faire une petite collection d'artbooks vraiment sympathiques qui va retracer toute l'histoire d'Albator. La dernière chose là qui est vraiment très très important et qui est à savoir par rapport à Albator, c'est que l'univers chronologique de Leiji Matsumoto est totalement différent de la chronologie d'apparition à l'écran. C'est-à-dire qu'à la télé, les premiers épisodes ont concerné Albator 78 et après on a eu Albator 84. Or, il est très important de savoir que tout ce qui se passe dans Albator 84 est antécédent, c'est-à-dire que c'est avant tout ce qui va se passer dans Albator 78. Est-ce que ça c'est bon? Il n'y a pas de problème parce que ça on va le voir plus tard par rapport aux différents personnages et aux différents vaisseaux. Donc la sélection que j'ai choisie par rapport à Albator 78, donc ça va être premièrement ces trois artbooks que vous pouvez voir. Donc ça ce sont en vérité un seul et même artbook qui a été divisé en trois. Et à l'intérieur nous allons voir tout plein de captures d'écran de la totalité des épisodes, c'est-à-dire des 48 épisodes de Albator 78. Après, il y a celui-ci, toujours sur l'univers d'Albator 78, mais là, ça va être plus axé sur tout ce qui va être création de la série, avec beaucoup de croquis sur les personnages et surtout les décors et les vaisseaux. Ça, c'est vraiment très important. Après, nous arrivons sur Galaxy Express 999. Donc, cet artbook ressemble pas mal à celui-ci, c'est-à-dire qu'à l'intérieur nous allons trouver pas mal de croquis sur les personnages et aussi les vaisseaux et décors. Et ce qui est vraiment important, c'est que nous avons pas mal de documentation sur justement Albator et aussi sur Esmeralda. Après nous arrivons sur cet artbook que je vais vous présenter, qui va être celui-là sur Albator 84. Donc ça c'est un artbook sur le film, c'est My Youth in Arcadia, ma jeunesse dans l'Arcadia. Donc là-dedans, nous allons vraiment aussi avoir pas mal de documents en couleur, des croquis sur les vaisseaux, vraiment du très très bon. Et enfin, pour terminer, j'ai trouvé ce petit artbook qui est vraiment superbe. Ça a été fait par, Nabuteru Yuki, qui s'est occupé du design et du dessin de tous les personnages. Et vous allez voir, il est vraiment très très recherché cet artbook, parce qu'il est absolument superbe. Les dessins au niveau des personnages sont absolument à tomber par terre. Donc nous allons voir maintenant le détail de tous ces artbooks ensemble. Alors voici les trois premiers artbooks sur Albator 78. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des artbooks dans lesquels nous allons avoir, c'était vraiment que des pages en couleur, comme vous pouvez voir. Et ça va nous donner tous les épisodes qui sont parus durant la série Albator 78. Donc la chose que j'aimerais dire par rapport à ces artbooks, c'est qu'ils sont super fragiles. Voici par exemple un exemple. C'est-à-dire que vu que c'est des vieux artbooks qui ont plus de 35, qui ont presque 33 ans, regardez, voilà, tout simplement, ils se décollent. Et après, vous avez ceci quand vous ne faites pas attention. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu en bonne qualité, puis à un moment, je l'ai ouvert en grand, et au bout de deux fois, toutes les pages me sont venues dans les mains, et ça, j'étais assez déçu. Donc les gars, si vous les achetez, je vous conseille de faire très très attention quand vous allez les lire. Donc par exemple, moi, je vais vous les présenter. Et je vais pas les déplier en entier pour pas qu'ils me viennent dans les mains. Donc comme je l'ai dit, chaque artbook que vous pouvez voir ont tout d'abord vraiment quelque chose qui est vraiment très très bon. C'est qu'ils ont tout d'abord un poster, comme vous pouvez voir. Et c'est un poster qui est recto verso. Donc ça c'est pas mal. Et après ce que nous allons voir, c'est beaucoup de... Ce sont que des captures d'écran de la série. Donc là, c'était le générique. Et là, ça va être le premier. Donc vous allez vraiment avoir tout à l'intérieur, c'est-à-dire il y a pas mal, vous voyez, c'est vraiment très très bon parce qu'il y a pas mal d'images en double page et ça c'est vraiment très très beau. Là, les pages sont, comme vous pouvez voir, sont assez épaisses et sont glacées et l'artbook fait aux alentours de 70 pages.
Et vous pouvez voir, c'est vraiment très très bon pour ceux qui ont connu comme moi les épisodes à la télé, ou même si vous les avez regardés en DVD, c'est vraiment très très bon. Très très peu de texte, beaucoup d'images pleines pages, et moi personnellement, j'adore, avec quelquefois, comme vous pouvez voir ici, des dessins faits par Leiji Matsumoto. Donc voilà, donc ce que ça va faire, c'est que ça va reprendre toute la chronologie de tous les épisodes que vous pouvez voir. Et la chose aussi qui est pas mal, c'est que vu que c'était des trucs d'époque, là vous avez par exemple les mangas quand ils sont sortis, et vous avez cette chose qui est vraiment très très bien, derrière c'était les jouets. Moi par exemple, je me rappelle, j'avais eu ce vaisseau étant gamin. Donc après, nous passons ici sur le part 2. Donc le part 2, ça va être exactement la même chose, comme vous pouvez voir. Là par contre, nous voyons que nous avons plus des, comment ça s'appelle, des petites captures d'écran sur des petites images. Il y a moins d'images pleines pages. Mais c'est vraiment encore, comme vous pouvez voir, du très très bon. Avec bien sûr, ici, là vous voyez, il a été malheureusement décollé. Avec ici, le poster. Et ici, le deuxième. Enfin, le recto et le verso. Et après, nous arrivons bien sûr sur le dernier. Donc pareil, hein, on va passer vite fait. Là, c'est sur la fin d'Albator. Donc ça, il ressemble aussi pas mal au, comment s'appelle, pas mal au deuxième, avec pas mal de petites images tirées de la série. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je vous conseille d'avoir les trois, ça vous permet d'avoir la globalité de tous les épisodes passés à la télé. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir ici, ces trois artbooks sont essentiellement des captures d'écran en couleur. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter aussi celui-ci sur Albator 78, car dans celui-là, nous allons avoir beaucoup plus de schémas par rapport au vaisseau. Alors voici l'artbook complémentaire des trois précédents que nous avons vus. Donc comme vous pouvez voir, à peu près, il fait à peu près 120 pages. J'adore la couverture, ce fond noir avec le titre Captain Herlock, Cosmic Corsair, le pirate, le corsaire de l'espace. Avec ici fond noir avec des dégradés blancs pour son visage, c'est vraiment absolument superbe. Donc quand on enlève, on arrive toujours sur la même couverture. Et la chose qui est très bien avec ces japonais, c'est que nous avons encore tous les autocollants. Ça, c'est vraiment très très bon. Donc pareil, ça, c'était des sortes de petites cartes postales qu'on pouvait découper pour avoir. Et après, nous avons une partie qui fait à peu près 20 pages, qui va reprendre, comme tout à l'heure, des captures d'écran. Là, vous avez ici le générique. Après ici, le générique de fin. Et c'est des captures d'écran qui, au fil des 20 pages, vous permettent de retracer vraiment toute l'histoire. Après, nous avons ici, à partir de là, nous arrivons sur des pages en noir et blanc. Là, nous avons un descriptif de tous les, comment s'appelle, des 42 épisodes, avec 2-3 photos vraiment montrant ce qui se passe. Et après, nous arrivons sur une autre section en couleur, où nous allons avoir ici les différents décors et personnages, pour après arriver sur la section qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui va être croquis et crayonné qui viennent des modèles sheets ou alors des cellulos. Donc vous avez ici Esmeralda et Albator. Après ici, nous avons le personnage de Tadashi, qui était un petit peu le jeune rebelle que nous voyons à peu près dans tous les épisodes, dans toutes les séries d'Albator. Là, nous avons ici Nausicaa. Et après, les autres différents personnages. Bien sûr, ici, la reine des Sylvidres. Donc, mais ma partie que je préfère particulièrement, c'est celle qui va concerner tous les, comment s'appelle, les vaisseaux. Et comme vous pouvez voir, là, ça va être absolument magnifique. Donc là, bien sûr, nous avons les différentes visions du vaisseau. Et après, nous avons une double page que vous pouvez voir. Bon, c'est con qu'il y a ça au milieu, mais regardez, c'est absolument superbe, avec au milieu le plan du vaisseau, avec à côté, juste à côté, la lame. Vraiment, rien que pour ça, cet artbook est absolument superbe. Après, bien sûr, je vais y arriver. Donc les pages sont assez vieilles, hein, je fais quand même assez attention. Après, pareil, les autres, les différents vaisseaux que nous pouvions voir.
et après les musiques, etc. Bref, du très très bon. Donc ça, c'était par rapport au à l'artbook sur Albator 78. Et nous allons maintenant passer à la charnière qui va être entre les deux. Il s'agit de Galaxy Express 999. Donc Galaxy Express 999 est une histoire qui est une série qui s'est faite en même temps que Albator 78 au niveau de la chronologie réelle, c'est-à-dire quand ils sont parus à l'écran. Faut savoir que cette série, c'est une période charnière entre Albator 84 et Albator 78. Et ça, nous allons le voir par rapport au vaisseau, parce que nous avons en première page ici un truc absolument superbe. C'est-à-dire que nous avons, comme partout, un poster. Et regardez-moi ce que c'est. Tout simplement, le vaisseau en détail, le deuxième vaisseau d'Albator. Donc le premier vaisseau était son nom, c'était l'Atlantide en français, mais son nom c'était le Death Shadow 2, alors que celui-ci c'est le véritable Arcadia. Donc vous pouvez voir ici, ah là là, par contre ça va être assez dur de vous le montrer, mais regardez, c'est absolument, on voit tout à l'intérieur, c'est absolument superbe. Et ça, c'était une très grande surprise parce que je savais pas qu'il y avait ça à l'intérieur. Donc après, nous avons aussi deux autres posters sur le verso. Ici, que vous pouvez voir ici, ou encore celle-ci, toujours avec le vaisseau d'Albator. Donc c'est pareil, je vais passer quand même assez vite fait sur le, comment s'appelle, sur l'artbook, sur cette partie-là. Donc toujours pareil, première partie en couleur de toute l'histoire qui se passe. Là, vous pouvez voir aussi, par exemple, le vaisseau et Albator. Nous avons aussi Esmeralda qui arrive avec son vaisseau. Donc après, pareil, nous arrivons ici aux différents personnages, et ça c'est vraiment bien parce que nous avons ici des numéros qui nous indiquent ici la véritable couleur qui a été utilisée. Et après, nous arrivons pareil sur une période sur tout ce qui va être croquis. Donc cet artbook là ressemble beaucoup à l'artbook que je vous ai fait voir juste avant. Et bien sûr, nous avons tous les personnages avec bien sûr ici comment il s'appelle, Toshiro, qui est Alfred, et là vous voyez qu'il est encore vivant, alors que dans Albator 84, il est mort à la fin. Donc vous voyez que là, c'est durant la période à moitié Albator 84, à moitié Albator 78, par rapport au design des personnages. Donc après, bien sûr, vous avez les trains, qui sont mythiques de Galaxy Express 999, et après, bien sûr, hop. Par contre, les pages sont assez vieilles, elles collent pas mal, ça c'est assez embêtant. Donc toujours pareil, beaucoup de décors que vous pouvez voir. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des model sheets. Et après, ça qui est vraiment très très bon, c'est que vous avez ici un storyboard des premiers épisodes. Après, nous avons l'ordre chronologique des différents épisodes. Je crois qu'ils sont autour de 118-119, après les personnes qui ont fait les musiques. Donc c'est vraiment un artbook qui est vraiment très très complet. Après les différentes personnes qui ont donné leur voix, justement les acteurs qui ont donné leur voix aux différentes personnes. Et après, bien sûr, des dédicaces, les personnages que nous pouvons voir. Et après, ça c'est par rapport aux autres dessins animés auxquels Leiji Matsumoto à participer, et nous voyons par exemple Albator 79. Donc voilà, donc un très très bon artbook bien complémentaire par rapport à d'ailleurs là voilà ici les différents vaisseaux que j'ai oublié de vous faire voir tout à l'heure. Donc c'est un artbook qui est vraiment excellent. On peut le trouver aux alentours sur en l'achetant pas avec Buy Nippon, on peut le trouver aux alentours de 10 €, et ça c'est vraiment excellent parce que rien que pour le poster qu'il y a à l'intérieur, je le conseille fortement. Donc nous allons passer maintenant à l'autre artbook qui est celui de Albator. Cet artbook est l'un de mes préférés, cela pour plusieurs raisons. Premièrement pour celle-ci, regardez, nous avons Marc Arcadia. Ça c'est le livre que Albator a toujours sur lui. Pareil sur l'arrière, c'est la même chose. Et ça c'est vraiment très très bon. Je trouve que ça déjà c'est une première bonne surprise. Et après à l'intérieur, il fait à peu près 180 pages. Et nous allons vraiment tout avoir par rapport au film Ma jeunesse in Arcadia.
Donc là, ça revient avec l'ancêtre. Ça va reprendre la chronologie du film avec ici toujours la même chose. Plusieurs feuilles qui vont nous faire parcourir tout le film. Donc c'est bien sûr toujours pareil, des captures d'écran en couleur. Donc ça, pareil, ça rappelle toujours des bons souvenirs. C'est vraiment excellent. Et après, nous allons passer à la deuxième partie, vraiment excellente, qui va être celle par rapport à des affiches qui ont été faites par rapport au film quand il est passé au cinéma, ou des illustrations que Leiji Matsumoto a fait. Vous voyez celle-ci qui reprend le vieux vaisseau, l'Atlantis. Regardez, c'est absolument superbe. Et celle-ci, regardez, absolument magnifique. Donc ça, pareil, vraiment très très bonne surprise. Après, nous passons dans la partie en noir et blanc où nous allons avoir tous les personnages avec, pareil, ceux qui aiment bien la Seconde Guerre mondiale ou quoi que ce soit, les croquis des avions. Très très bon. Donc après, bien sûr, les différents personnages. Donc on va passer très très vite. Et après, nous arrivons sur la quatrième partie où là, nous allons avoir tout ce qui va être mécanique, les vaisseaux que nous allons voir ainsi que les avions. Oh, pardon. Donc, vous voyez, hein, c'est plein de détails, vraiment très très bon pour celui-là qui veut dessiner. Et bien sûr, ce qui nous intéresse ici, les plans du vaisseau. Donc, vraiment magnifique. Et après, ça va être comme ça tout au long de l'artbook avec les différents vaisseaux, aussi les armes. Après, nous arrivons sur les décors. Là, c'est la partie où nous allons avoir tout le personnage suivant ses différents aspects tout au long du film. Donc ça va reprendre sur tous les personnages. Après, pareil, la même chose avec tous les vaisseaux, les différentes visions que nous avons des vaisseaux. Aussi des avions. Là, la même chose avec les personnages secondaires. Et à la fin, nous avons tout ce qui va être la chronologie du film, les interactions entre Albator et les différents univers. Donc là, nous avons par exemple Albator 78 qui est en haut. Là, ici, nous avons Galaxy Express 999. Donc vraiment un artbook vraiment très très détaillé. Et là vraiment ce qui est vraiment génial, c'est les premières apparitions d'Albator par rapport aux différents mangas de Leiji Matsumoto. Donc vraiment un artbook très très complet. Donc après les différentes personnes, toujours les voix, les dessinateurs. Donc vraiment un artbook très très complet. Et là pour terminer, nous allons passer à celui-ci sur Endless Odyssey. Alors le dernier est celui-ci, c'est sur une petite série de 12 épisodes qui s'intitule Hardlock Saga Endless Odyssey. Donc sur celui-ci, comme je vous l'ai dit, il s'agit des travaux de Nobuteru Yuki. Et lui, il s'est surtout occupé du design des personnages. Et je peux vous dire que c'est absolument superbe, comme vous pouvez le voir ici. Regardez bien. On va s'en prendre plein la gueule à toutes les pages. Donc il faut savoir que ce ne sont que des croquis en noir et blanc. Et la plupart vont être les feuilles qui ont servi pour l'animation justement de cette série. Donc je vais vous faire voir là, regardez bien. Rien que pour ça, cet artbook est absolument fantastique. Donc on va continuer. Ah, regardez. Du pur bonheur en barre. Ah bah, toutes les pages, de toute façon, toutes les pages, moi je m'en suis pris plein les yeux. J'ai vraiment été agréablement surpris. Et justement, là maintenant, nous arrivons sur toutes les feuilles qui ont servi pour faire les cellulos pour l'animation sur ordinateur. Et ça va être tout ça, tout le long de l'artbook. Donc je vais quand même passer assez vite. Le grand intérêt de cet artbook, c'est, regardez, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est des dessins comme celui-ci, c'est un pur bonheur. Donc pareil, ça va reprendre la chronologie, tous les personnages vont être présents, tous ces travaux vont être là, et c'est absolument génial. Il y a
Il y a un travail dans les visages qui est absolument extraordinaire. Moi, quand je l'ai eu, quand j'ai dévoré, il fait à peu près 220 pages. Et pff, regardez. J'ai absolument... Moi, je suis un grand fan d'Albator et je trouve cet artbook absolument fabuleux. Et je comprends maintenant pourquoi il est tellement recherché, parce qu'il a été édité à très très peu d'exemplaires et il est presque introuvable sur Internet. Ou alors quand on le trouve, c'est vraiment à des prix vraiment fous. Donc voilà, regardez, c'est magnifique. Donc voilà, un très beau artbook pour terminer cette petite sélection. J'espère que vous aurez bien apprécié. Et on va maintenant, ah bah là, pareil, avant de terminer, là c'est pareil, ce sont tous les cheatés, les modèles cheat, comme je vous ai déjà parlé, de tous les différents personnages. Ça c'est vraiment aussi très très bon. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez bien aimé cette petite sélection et je vous donne rendez-vous pour la conclusion de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo, cette petite sélection. Il faut savoir aussi que la plupart des artbooks que je vous ai présentés peuvent se trouver assez facilement sur internet, à part peut-être celui-ci qui a été édité à très peu d'exemplaires et devient bien sûr, et qui est très très recherché maintenant et donc très cher. Pour pouvoir les acheter, vous avez deux solutions. Premièrement, vous avez eBay. eBay, je le déconseille pour deux raisons. Premièrement, la plupart des artbooks que j'ai achetés au début sur eBay arrivaient ici en mauvais état. Et deuxième chose, c'est qu'ils sont vraiment très très chers par rapport au prix qu'on peut les acheter au Japon. Parce que les personnes qui vendent sur eBay, souvent, achètent au Japon, après les mettent en vente sur eBay et se font une commission de 50 à 100%. Moi, personnellement, je préfère acheter directement au Japon. Et là, j'ai des sites intermédiaires qui me permettent d'acheter sur le site Yahoo Japan. Parce que pour acheter sur Yahoo Japan, qui est un site d'enchères au Japon, vous devez vous inscrire et vous devez avoir une adresse postale ainsi qu'un numéro de téléphone et un mail au Japon. Les sites intermédiaires vous permettent, eux, directement d'enchérir sur les sites japonais. Le meilleur de ces sites est sans nul doute By Nippon. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, son taux de commission est vraiment très très bas, seulement que 5%. Deuxièmement, vous pouvez faire les achats en temps réel, ce qui permet de sniper les prix pour ceux qui connaissent. Et troisième chose, c'est qu'ils gardent tout ce que vous achetez pendant 60 jours. Moi, par exemple, pour ces artbooks, je les ai achetés sur un mois. Il les a reçus au fur et à mesure, il me les a gardés et après, il m'a fait qu'un seul envoi. Et ça, ça m'a permis de sauver quand même énormément de frais de port. Donc au final, ces artbooks, prix que je les ai achetés sur Yahoo Japan, plus la commission de 5%, plus les frais de port, ça m'est revenu à moitié moins cher que si ils avaient tous acheté indépendamment sur eBay. Donc j'espère que vous apprécierez. Je vous conseille, si vous voulez acheter des trucs au Japon, n'hésitez pas à aller sur le site By Nippon. Vous avez l'adresse de toute façon qui était juste en bas, ou vous avez aussi en lien sur mon site. Alors pour terminer, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo qui était certes un peu longue, mais il y avait quand même pas mal d'artbooks. Et je vous demande bien sûr de venir sur ma chaîne artbookpassion.com, sur ma page Facebook ou encore sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et laissez des commentaires, j'hésiterai pas à y répondre. Donc je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire à la semaine prochaine.